basombela mubika la kubasanka nawo kichichika la jishinga ja bena kongo kichichika la jiso ja mfumo wajitunga ujwenzo mwosu mwakwensa buwa kumuna mshindo kupinga kazaka kapia kapia kajitunga ja Kongo Democratic buwa kazaka kupinga na vijibi kengela jinanga ja jitunga ja Kongo Democratic ni jitu ja mpanda kujibukele ngombu wajitunga buwala buwa sebo buwa nkayabu kabia na makozi buwala nash luka nulungwa kujibu kukalu tukale lunyunga nash buwa luka nukunyunga bika hindi ikale ya bunyi buwetu mubobu mwa nitu mshindo kuibaka jitunga ja Kongo Democratic mulongo wa kubwela mpincheu badibika laba kubwela mpincheu kujibame ni Silvestre ilonga ilonkamba wa kubwela babu utushile chikashi kujibachu kuita muna ufanka Silvestre ilonga ilonkamba menekafu lambeji wa jitunga ja Kongo Democratic wa kumana kubwela mukampo nyikaji baeji ni kale ni chakwa kula kajinaji kwa kusomba ndambu kwa kwa shubikisha fikele ni chakuba kula mei kumulonde bimpa bitamba ulele lwa kumana kusomba pa mwini ngomba jenda jishima jiba pa jiba kunyumi kwa jiba kinjiba na ashe Janine Mabunda bikengele na angata mei beaucoup petit chemin de Kavlambe, je parle Lucas. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi avant toute chose de vous souhaiter au nom de l'Assemblée nationale, de son bureau et aux mains propres, la bienvenue à cet hémicycle. Je forme les mêmes souhaits à mesdames et messieurs, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués, ainsi que les vice-ministres. Il en est de même de vos collaborateurs respectifs ici présents. Chers collègues, le projet d'ordre du jour proposé comprend les points ci-après. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Examen et vote du projet de loi des finances de l'exercice 2021. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer à ce sujet. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat du vote, l'ordre du jour est adopté. Nous passons sans plus tarder à l'examen de ce projet de loi des finances. Chers collègues, à propos de ce projet de loi des finances, je tiens l'émotion à la fin, s'il vous plaît. Asseyez-vous, l'émotion à la fin. À propos de ce projet de loi des finances, je tiens à préciser que les documents y afférents vous ont déjà été distribués depuis plusieurs jours par les services. J'ai vu, monsieur, je vous ai dit à la fin de la séance. Merci. Je vous en prie, asseyez-vous. Par les services de l'honorable rapporteur, ceci dit, nos délibérations vont débuter par le débat général. Selon la procédure prévue à l'article 148 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. À cet effet, le premier orateur à prendre la parole sera Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Après son exposé, il s'ensuivra le débat par les interventions des honorables députés. À l'issue des interventions, la parole sera à nouveau accordée à Son Excellence le Premier ministre pour adresser les préoccupations des honorables députés. Chers collègues, à présent, j'invite Monsieur le Premier ministre Silvestre Ilunga Ilukamba, chef du gouvernement, à prendre la parole pour nous présenter l'économie qui a présidé à l'élaboration du projet de loi soumis à notre examen. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. S'il vous
vous plaît, s'il vous plaît, honorable député, s'il vous plaît. J'invite tous les honorables députés à suivre dans la sérénité, s'il vous plaît, de tous les côtés. Merci beaucoup, honorable président de l'Assemblée nationale. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais. J'ai l'insigne honneur de venir ce jour présenter aux élus du peuple que vous êtes le remerciement du gouvernement de la République que je dirige pour l'opportunité qui m'est offerte de soumettre à l'approbation et au vote de votre auguste Assemblée le projet de loi des finances de l'exercice 2020 conformément aux dispositions de l'article 126 de la Constitution et de l'article 83 de la loi relative aux finances publiques. De prime abord, permettez-moi de solliciter votre indulgence pour le dépôt tardif de ce projet de loi qui devait intervenir le 15 septembre, tel que prescrit par la Constitution. Ce retard est imputable à deux contraintes. Premièrement, il a fallu préparer et soumettre à l'approbation de la représentation nationale le projet de loi des finances rectificatives de l'exercice 2020 à la suite de l'incidence négative exercée par la pandémie de COVID-19 sur le niveau de réalisation de recettes. Deuxièmement, le gouvernement a mené jusqu'en octobre des discussions avec le Fonds monétaire international dans la perspective de la conclusion d'un programme économique triennal 2021-2023. Mon intervention de ce jour s'articule autour de quatre points. Je commencerai d'abord par épingler les faits marquants de l'environnement économique récent, tant au niveau international que national, assorti des perspectives pour l'année 2021. Au deuxième point, je vais rappeler de façon succincte la situation de l'exécution de la loi des finances à fin juin 2020 qui a justifié les projections à fin décembre 2020 contenues dans la loi des finances rectificative déjà mise à votre disposition. Les données de réalisation à fin août 2020 étant maintenant connues, elles seront aussi évoquées plus loin. J'aborderai en troisième lieu les grands axes du cadre budgétaire à moyen terme qui définit la trajectoire des finances publiques pour la période 2021 à 2023, ainsi que les priorités déclinées dans le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la COVID-19. Enfin, en quatrième lieu, je vais décliner les grandes lignes du projet de budget 2021. S'agissant de l'environnement économique international au cours de cette année 2020, celui-ci reste globalement marqué
par l'incidence négative de la pandémie de COVID-19 à telle enseigne que le taux de croissance du produit intérieur brut mondial devrait se situer à moins 4,9%. Le recul de l'activité économique serait de l'ordre de moins 3% dans les pays émergents et moins 3,2% en Afrique sud-saharienne. En termes de perspectives, les estimations du Fonds monétaire international font état d'un possible relèvement de l'activité économique mondiale à un taux de 5,4% en 2021, dans l'hypothèse d'une hausse progressive de la consommation et de l'investissement sous l'effet des réponses adéquates et concertées des gouvernements pour la maîtrise de la pandémie COVID-19. La croissance des pays avancés est projetée à 4,8% en 2021, celle des pays émergents à 5,9% et celle des pays en développement à 3%. L'Afrique subsaharienne en particulier pourrait atteindre un taux de croissance de 3,4% en 2021. Sur le plan national, les experts projettent un taux de croissance de 3,2% en 2021, tributaire principalement du relèvement de la production minière consécutive à une bonne évolution des cours des matières premières. Le taux d'inflation estimé à 21,5% à fin 2020 est projeté à 8,8% fin 2021. Pour y arriver, le gouvernement compte poursuivre la mise en œuvre des mesures de stabilisation du cadre macroéconomique arrêté notamment dans le pacte de stabilité signé en août 2020 entre le ministère du Budget et des Finances et la Banque centrale du Congo. La stabilité du taux d'échange constaté actuellement suite à la mise en œuvre des mesures ci-évoquées devrait se poursuivre jusqu'en 2021, où le taux fin période est projeté à 2013,4 francs congolais de dollars. Les plus importantes de ces mesures concernent notamment le faible recours au financement monétaire du déficit du Trésor grâce à l'appui budgétaire du Fonds monétaire international et de la Banque africaine de développement. L'amélioration de l'offre de devises découlant de l'augmentation attendue des recettes en devises provenant principalement des exportations de miniers. Afin de relever le niveau de réserve internationale qui représente actuellement 2,7 semaines d'importation, votre gouvernement entend poursuivre le partenariat avec le Fonds monétaire international en vue d'obtenir un soutien à la balance de paiement. Honorable Présidente, honorable député, élu légitime du peuple congolais, concernant l'exécution de la loi des finances de l'exercice 2020, je ne voudrais pas revenir ici sur la situation du premier semestre, décrite en long et en large lors de la présentation devant votre auguste assemblée du projet de loi des finances rectificative de l'année en cours. Pour rappel, l'exécution du budget à fin juin 2020 renseigne globalement un niveau de dépenses effectuées à hauteur
de 4 804,5 milliards de francs congolais contre une réalisation de recettes de 5 588,5 milliards de francs congolais. La situation à fin août 2020, dont la synthèse est reprise en annexe du document numéro 2 qui vous a été distribué, renseigne que les recettes ont été réalisées comme suit. Budget général, 5 668 milliards de dollars de francs congolais, soit 1 million, un taux de réalisation de 49,4%. Et budget annexe, 140,3 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 68,9%. Comptes spéciaux, 491,4 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 72,7%. Les recettes du budget général réalisées au cours de la période sous revue comprennent les recettes internes de 4 142,1 milliards de francs congolais et les recettes extérieures de 1 525,9 milliards de francs congolais. Les recettes internes sont constituées de recettes courantes réalisées à hauteur de 4 082,2 milliards de francs congolais et les recettes exceptionnelles enregistrées à concurrence de 59,9 milliards de francs congolais. La ventilation des recettes courantes mobilisées à fin août 2020 se présente comme suit. Recettes de douane et assises, 1203,3 milliards de francs congolais, enregistrant un taux de réalisation de 39,5%. Recettes des impôts, 2001,9 milliards de francs congolais, indiquant un taux de réalisation de 49,1%. Recettes non fiscales, 768,6 milliards de francs congolais, dégageant un taux de réalisation de 45,2%. Les recettes des produits pétroliers producteurs, 108,4 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 36,8%. Les recettes extérieures réalisées au cours de la période sont constituées, quant à elles, de recettes d'appui budgétaire de l'ordre de 431,9 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 76,8%. Les recettes de financement des investissements d'un import de 1 094 milliards de francs congolais, traduisant un taux de réalisation de 69,7%. Ces investissements comprennent les dons projets de l'ordre de 879 milliards de francs congolais et les emprunts projets chiffrés à 215 milliards de francs congolais. Pour ce qui est des dépenses, leur exécution en grande ligne au titre du budget général se situe à 5 949,2 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 51,8%. L'exécution des budgets annexes et des comptes spéciaux s'est effectuée en équilibre avec le niveau de réalisation de leurs recettes correspondantes. Les grandes masses des dépenses du budget général effectuées à fin août se déclinent comme suit. Dette publique et frais financiers, 423,5 milliards de francs congolais, renseignant un taux d'exécution de 78,9%.
rémunération 3 121,7 milliards de francs congolais, dégageant un taux d'exécution de 93,1%, biens matériels et prestations, 783,7 milliards de francs congolais, affichant un taux d'exécution de 53,2%, transferts et subventions, 417,4 milliards de francs congolais, indiquant un taux d'exécution de 26,1%, dépenses d'investissement, 1173,8 milliards de francs congolais, renseignant un taux d'exécution de 27,5% et constitué d'investissement sur ressources propres de 79,8 milliards de francs congolais et d'investissement sur ressources extérieures de 1094 milliards de francs congolais. Dépenses exceptionnelles, 28,9 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 11,7%. L'exécution du plan de trésorerie à fin août 2020 renseigne un déficit global de 731,96 milliards de francs congolais. Ce déficit a été financé jusqu'au mois de mars 2020, essentiellement par les avances de la Banque centrale pour un montant de 320,54 milliards de francs congolais, et ensuite par l'appui budgétaire du Fonds monétaire international à concurrence de 352,12 milliards de francs congolais et par les bons de trésor pour 59,93 milliards de francs congolais. Globalement, les perspectives budgétaires à fin décembre 2020 préfigurent l'exécution d'un budget déficitaire. Il sied de retenir qu'au cours de la période sous revue, le gouvernement a procédé à l'exécution des dépenses contraignantes telles que le paiement des salaires, le remboursement de la dette publique, la rétrocession aux administrations financières et le transfert de ressources aux provinces. De manière succincte, les actions menées au cours de la période se rapportent à ce qui suit. 1. La gestion globale de la pandémie de COVID-19, dont la stratégie a été mise en place dans le cadre du comité multisectoriel de la riposte à la COVID-19. La stratégie du gouvernement a permis au pays d'assurer le contrôle de la pandémie depuis l'apparition du premier cas importé jusqu'à ce jour. Ces efforts ont permis à notre pays d'améliorer la prise en charge et d'enregistrer le moins de cas possible. Du taux de létalité de plus de 11% au début de la pandémie, notre stratégie nous a permis de maintenir le taux de 2,5%. 2. La poursuite de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire par la prise en charge à partir du mois de janvier de l'année en cours de 100 088 enseignants non payés ainsi que de 58 735 nouvelles unités à partir du mois d'octobre. 3. L'accélération des opérations de neutralisation des groupes armés et apparentés par les FARDC en vue de la pacification de l'Est du pays ainsi que la prise en charge de la situation des militaires engagés au front.
4. La redynamisation de la diplomatie congolaise et le renforcement de notre coopération au sein de l'Union africaine et dans la région des Grands Lacs. 5. Le parachèvement des travaux du programme d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'État, comprenant la construction et la réhabilitation de routes et de voiries urbaines, la poursuite des travaux de saut de mouton, l'adduction d'eau et l'électrification en milieu rural et urbain, la réhabilitation et l'équipement des écoles et des centres de santé à Kinshasa et en province. 6. Des actions urgentes de production agricole et d'approvisionnement de la ville de Kinshasa en denrées de première nécessité dans le cadre du programme agricole d'urgence et d'intervention post-Covid-19 et du programme volontariste agricole. D'autres investissements ont été réalisés sur financement extérieur. Il s'agit notamment de l'aménagement de la route Tshikapa-Mbujimayi, la réhabilitation de l'aéroport de Goma, la pose de la fibre optique sur l'axe Mwanda-Kinshasa, le développement du système de santé, la réhabilitation des infrastructures, de certaines infrastructures socio-économiques dans quelques provinces du pays. Honorable présidente de l'Assemblée nationale, honorables députés élus légitimes du peuple congolais, s'agissant du point relatif au cadre budgétaire à moyen terme 2021-2023, qui constitue le document numéro 7 accompagnant le projet de loi de finances sous examen, il sied de relever que le cadre précité a été élaboré par le gouvernement conformément à l'article 13 de la loi relative aux finances publiques. Il contient la prévision de 2021 à 2023 de l'évaluation de l'ensemble des dépenses et des recettes du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées. Il dégage aussi les soldes des opérations financières, de même que l'évolution de l'endettement. De manière succincte, la trajectoire des finances publiques définie dans ce cadre budgétaire à moyen terme laisse entrevoir pour le pouvoir central un solde nul pour l'exercice 2021 et un gap de 2509,8 milliards de francs congolais pour l'exercice 2022 et de 2595,2 milliards de francs congolais pour l'exercice 2023. Au niveau des provinces comme des entités territoriales décentralisées, l'évolution des dépenses et des recettes postule des soldes nuls dans la programmation budgétaire 2021-2023. Le financement des gaps dégagés au niveau du pouvoir central appelle votre gouvernement à multiplier davantage les efforts pour l'amélioration de la fiscalisation de l'économie et la lutte contre l'évasion fiscale. Il appelle également à la levée de fonds sur le marché financier local et extérieur dans le cadre de la stratégie de la dette à moyen terme. À cet effet, le gouvernement veillera à ce que les emprunts à contracter les soient à des conditions favorables afin de garantir le caractère solvable de l'État
et maintenir le stock de la dette dans des limites acceptables. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la mise en œuvre satisfaisante de la programmation budgétaire 2021-2023 reste vulnérable à certains facteurs exogènes et endogènes. Il s'agit principalement du risque macroéconomique lié à la baisse de croissance ou à des cours des principales matières d'exportation du pays et du risque lié au non-respect de nos engagements sur les ressources extérieures. Honorable Présidente, honorable membre du Bureau, honorable député élu légitime du peuple congolais, s'agissant maintenant du projet de loi de finances de l'exercice 2021, je voudrais rappeler qu'il est élaboré dans un contexte de la spirale engendrée par la pandémie du COVID-19 et ses conséquences néfastes sur l'activité économique et les finances publiques. Il s'inscrit dans l'optique de la mise en œuvre du programme du gouvernement et intègre les mesures fixées dans le programme multisectoriel d'urgence d'atténuation des impacts de la COVID-19 adopté par votre gouvernement en mai dernier. Ainsi que vous le savez, ce programme d'urgence s'articule sur trois axes prioritaires suivants. 1. La riposte, la surveillance à la COVID-19 et le renforcement du système de santé à travers un projet plus global et plus efficace de prise en charge de cette maladie. 2. Le soutien à la stabilité macroéconomique et à la relance de l'économie par la mise en œuvre de mesures d'appui aux activités économiques susceptibles d'atténuer les chocs dus à la pandémie, d'encadrer les secteurs productifs et de promouvoir les infrastructures industrialisantes. 3. L'atténuation des risques et le soutien aux populations grâce aux mesures et actions susceptibles de répondre aux besoins minimums de la population pendant la crise. Il s'agit des questions relatives à la sécurité, au mouvement de population, à l'accès à la justice et au soutien aux services sociaux de base, dont notamment l'assistance sociale et humanitaire, la sécurité alimentaire et les approvisionnements en denrées de première nécessité. Le projet de budget 2021 se fonde également sur la reprise de la croissance économique mondiale, imputable notamment aussi bien à la diminution des effets de la pandémie qu'à la mise en œuvre de plans de relance adopté par différents gouvernements. En ce qui concerne particulièrement notre pays, le projet intègre l'hypothèse d'une reprise de la production minière consécutive à l'embellie des cours de nos produits d'exportation, ainsi que l'assurance d'une bonne coordination des politiques monétaires et budgétaires en vue de maîtriser l'inflation et de l'accroissement des investissements publics. Pour l'exercice 2021, le gouvernement entend accélérer la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics, tout en promouvant la culture fiscale en vue de renflouer les caisses de l'État et financer les politiques publiques. La configuration budgétaire de l'exercice
2021 est sous-tendu par les indicateurs et agrégats macroéconomiques suivants. Taux de croissance 3,2%, déflateur du PIB 8,7%, taux d'inflation moyen 15,1%, taux d'inflation fin période 8,8%, taux de change moyen 2067,8 francs congolais le dollar, taux de change fin période 2013,4 francs le dollar, PIB réel 12 842,9 milliards de francs congolais, PIB nominal 111 904 milliards de francs congolais, pression fiscale 8,1%. Ainsi, le projet de finances de l'exercice 2021 contient un budget présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 14 235,2 milliards de francs congolais, qui dégage un taux de régression de 23,2% par rapport au budget de l'exercice 2020 chiffré à 18 545,2 milliards de francs congolais. Les agrégats de ce projet de budget se déclinent sous trois composantes suivantes. Budget général 13 202,3 milliards de francs congolais. Budget annexe 362,8 milliards de francs congolais. Et comptes spéciaux 670,2 milliards de francs congolais. Les recettes du budget général comprennent les recettes internes de 9 273,6 milliards de francs congolais, les recettes extérieures de 3 928,7 milliards de francs congolais, représentant respectivement 70,2% et 29,8% du budget général. Les recettes internes sont constituées de recettes courantes d'un import de 9 021,66 milliards de francs congolais et des recettes exceptionnelles de 252 milliards de francs congolais. Les recettes courantes sont ventilées de la manière ci-après. Les recettes de douanes et assises 2 468,8 milliards de francs congolais, soit 18,7% du budget global. Les recettes des impôts, 4 572,4 milliards de francs, soit 34,6% du budget général. Les recettes non fiscales, 1 662,2 milliards de francs congolais, soit 12,6% du budget général. Les recettes des produits pétroliers, 318,2 milliards de francs congolais, soit 2,4% du budget général. Celles-ci ont été projetées en intégrant une production journalière de 23 700 barils, la décote de 3 dollars américains, le prix moyen du baril de 46 dollars américains après décote et frais du terminal de 2,3 dollars américains le baril. Honorable présidente, honorable député élu légitime du peuple congolais, pour atteindre le niveau des recettes courantes projetées, votre gouvernement propose les mesures fiscales et administratives résumées comme suit. 1. Pour les recettes de douanes et assises, l'interdiction de la pratique de compensation prohibée par la loi.
la limitation des exonérations à leur champ conformément à l'article 4 du code de douane et l'interdiction des exonérations dérogatoires à l'exception de celles relatives au marché public à financement extérieur. La suppression de l'octroi des exonérations dérogatoires et de celles accordées au gouvernement et aux institutions étatiques. Le renforcement de la lutte contre la corruption, la fraude, la contrebande, en collaboration avec tous les services concernés, notamment par la création de nouvelles unités de brigade et leur dotation en équipement pour la surveillance des frontières, la recherche et la répression. Par l'accompagnement de l'administration des douanes par le gouvernement dans le recouvrement des dossiers contentieux à l'endroit des contrevenants. Le contrôle régulier des exonérations légales accordées aux contribuables devenue de plus en plus importante face au niveau des recettes officiellement déclarées. Et enfin, la mise en œuvre des mesures coercitives pour faire respecter l'ordre opérationnel aux frontières suivant les dispositions réglementaires. Pour les recettes des impôts, la systématisation de la perception de l'IPR auprès des fonctionnaires et agents publics de l'État, la poursuite de la perception de l'IPR auprès des agences d'exécution bénéficiant des financements extérieurs et des engagés locaux des ambassades et missions diplomatiques. La finalisation du protocole d'accord de collaboration pilote entre la DGI et l'hôtel de ville de Kinshasa pour la maîtrise du répertoire et de la volatilité des assujettis en matière d'impôts forfaitaires à charge de micro-entreprises au titre d'impôts sur le bénéfice et profit. L'amélioration de la perception de l'IBP par l'intensification des contrôles fixés DGA, DGI sur l'origine des produits vendus sur le territoire national, le traitement des opérations d'importation de marchandises par les entreprises minières en phase d'exploitation, par la régularisation comptable en matière de TVA, et enfin la poursuite et la finalisation du projet des caisses enregistreurs et leur mise en service auprès des assujettis à la TVA. Numéro 3, pour les recettes non fiscales, la relance des missions mixtes de contrôle des GERAD, services d'assiette, l'acquisition d'un gateway en faveur de la RPTC pour le contrôle de flux de communication, la numérisation du cadastre foncier pour l'obtention en temps réel des détails sur les parcelles, l'utilisation des visas biométriques en lieu et place du cachet unique et du laissez-passer individuel non sécurisé, et enfin la dotation des services d'assiette en imprimé de valeur. Les recettes exceptionnelles quant à elles sont projetées à 252 milliards de francs congolais, soit 1,9% du budget général. Elles portent essentiellement sur les missions des bons du Trésor. Pour ce qui est des recettes extérieures, elles se chiffrent à 3 928,7 milliards de francs congolais, soit 29,8% du budget général. Elles sont constituées par des recettes d'appui budgétaire de 1 271,7 milliards
de francs congolais attendus essentiellement de la Banque mondiale et celle de financement des investissements de 2656,9 milliards de francs congolais promis par les différents partenaires bilatéraux, multilatéraux de la RDC au titre de dons et emprunts produits, emprunts projets. Les recettes de budgets annexes, quant à elles, se chiffrent à 362,8 milliards de francs congolais contre 305,4 milliards de francs congolais en 2022, soit une augmentation de 18,8%. Elle renferme les actes générateurs des opérations des établissements publics d'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que des hôpitaux généraux de référence. Les recettes des comptes spéciaux sont évaluées à 670,2 milliards de francs congolais contre 1014,6 milliards de francs congolais en 2020, soit une régression de 33,9%. Elle se rapporte aux opérations de comptes d'affectation spéciale répertoriées à ce jour. Honorable Président, honorable député élu légitime du peuple congolais, comme je l'ai évoqué plus haut, les dépenses de l'exercice 2021 sont présentées en équilibre avec les recettes, tant pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux. La ventilation en masse des dépenses du budget général se présente de la façon suivante. 1. Dette publique et frais financiers, 914,7 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 13,6% par rapport à son niveau de l'exercice 2022 de 805,5 milliards de francs congolais. Outre le remboursement du principal et des intérêts sur la dette extérieure, ces crédits couvriront essentiellement les paiements de la dette intérieure et de la créance titrisée de la Banque centrale du Congo. 2. Rémunération, 5 138,6 milliards de francs congolais, soit un taux d'accroissement de 2,1% par rapport à la loi des finances de l'exercice 2020. Cette enveloppe intègre notamment une tranche du barème convenu avec l'intersyndicale de l'administration publique, le recrutement au sein de l'armée et de la police nationale congolaise, ainsi que la poursuite de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. 3. Biens matériels et prestations, 1324,3 milliards de francs congolais, soit une régression de 40,1% par rapport à son niveau de l'exercice 2020 de 2209,3 milliards de francs congolais. Ces dépenses comprennent le fonctionnement des institutions chiffrées à 495,5 milliards de francs congolais, le fonctionnement des ministères, y compris les financements des réformes d'un impact de 638,3 milliards de francs congolais, le fonctionnement des services déconcentrés d'un montant de 17,5 milliards de francs congolais, les charges communes chiffrées à 172,9 milliards
des francs congolais. Assis du fonctionnement courant des services, les dépenses de biens matériels couvriront, entre autres, les charges liées à la sécurisation du pays, à la présidence de l'Union africaine par la RDC, au fonctionnement de la gratuité de l'enseignement primaire, à l'approvisionnement des hôpitaux en médicaments essentiels et le renforcement de la recherche biomédicale, à l'achat des intrants agricoles pour la sécurité alimentaire, au paiement des arriérés de consommation d'eau et d'électricité par les services étatiques, à la participation de la RDC aux compétitions internationales tout autant qu'à l'organisation de 9e Jeux de la Francophonie. 4. Les transferts et subventions. 1509,9 milliards de francs congolais, soit une régression de 37% par rapport à leur niveau de 2020. Ils comprennent la rétrocession aux administrations financières chiffrées à 494,9 milliards de francs congolais, les transferts aux provinces et ETD au titre de fonctionnement d'un import de 351 milliards de francs congolais, les interventions économiques, sociales, culturelles spécifiques évaluées à 120,9 milliards de francs congolais, la subvention aux organismes auxiliaires et services ex-DPO de l'ordre de 62,3 milliards de francs, la bourse d'études d'un montant de 8,2 milliards de francs, la TVA remboursable d'un import de 467,6 milliards de francs congolais, la mise à la retraite des agents et fonctionnaires de l'État pour une première quotité de 5 milliards de francs congolais, 5 dépenses en investissement, 4107,9 milliards de francs congolais, soit un taux de régression de 35,9%. Et ces dépenses se déclinent comme suit. Investissement sur ressources propres, 1450,9 milliards de francs congolais, qui couvriront les projets du gouvernement central chiffrés à 738,9 milliards de francs congolais, la contrepartie gouvernementale d'un import de 68 milliards de francs congolais, les projets des provinces à hauteur de 317,3 milliards de francs congolais, le fonds de péréquation des montants de 326,8 milliards de francs congolais, l'investissement sur ressources extérieures, 2656,9 milliards de francs congolais. Les principaux projets à financer pour 2021 sont le programme de réforme du secteur de sécurité, la création et le déploiement de la chaîne de recettes, le programme de développement du système de santé, la construction et la réhabilitation des écoles et des structures sanitaires, la poursuite de la mise en œuvre du projet ProRoute, le programme de développement urbain et la lutte anti-érosif, la poursuite de la construction des villages modernes et des centres de jeunes ruraux désœuvrés, la poursuite du projet d'électrification rurale et de réhabilitation des pistes rurales, l'acquisition d'équipements et de matériel d'exploitation et de recherche géologique pour la certification des réserves minières, le projet d'appui au développement du site d'Inga
et d'électrification des territoires par énergie solaire, le projet d'extension du système d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, le projet de renforcement des services hydrométallurgiques et climatiques, la construction des ports et aéroports. 6. Crédit provisionnel, 206,8 milliards de francs congolais, représentant 1,6% des dépenses du budget général, et ce crédit provisionnel devront financer les opérations électorales, 90 milliards de francs congolais, la réserve budgétaire, 65 milliards de francs congolais, la couverture d'éventuels sinistres et calamités, 51,8 milliards de francs congolais, et enfin, pour rappel, les dépenses de budgets annexes et des comptes spéciaux sont présentées en équilibre avec les recettes correspondantes. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais. Je suis conscient que ce projet de loi de finances a été déposé dans un contexte économique et sanitaire difficile. Mais le gouvernement de la République veut marquer sa volonté de donner suite aux engagements pris notamment dans le cadre de son programme. Comme vous avez pu le constater, la constitution de la réserve de 90 milliards de francs chaque année, de francs congolais chaque année, destinés aux opérations électorales, envoie un signal important pour la poursuite de l'ancrage démocratique dans notre pays et de la normalisation de la vie institutionnelle. J'ose croire que tous les responsables politiques vont s'engager à considérer l'intérêt supérieur de la nation pour continuer à mériter de la confiance que le peuple a placée en nous, ses dirigeants. Qu'il plaise donc à la représentation nationale d'approuver et de voter ce projet de finances, des lois de finances, afin de permettre au gouvernement de la République de disposer des moyens nécessaires pour la mise en œuvre de son programme d'action. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nous vous remercions, Monsieur le Premier ministre, de votre exposé. Chers collègues, après cette présentation, je soumets ce projet de loi à débat. Au sujet de ce débat, il y a lieu de préciser que la répartition du temps de parole sera celle qui vous sera présentée par l'honorable rapporteur. Et donc, je demande à l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale de nous en donner lecture. Chers collègues, avant que le rapporteur n'intervienne, je précise que c'est au travers des groupes parlementaires que vous allez demander une prise de parole. Au travers des groupes parlementaires, et nous avons 16 groupes parlementaires.